Moi ça je sais le faire, tu vois. Hop. Hop, ça tient encore. Hop. Tiens, ça tient plus. Alors c'est vraiment pas bon. Bon Momo. Là, je t'embauche pas, toi. Moi, je suis viré. Toi, t'es viré direct. Moi, je suis là. Retourne à la déco, ils vont peut-être te trouver une autre mission. Deuxième journée, donc hier on a fait que ça, déjà pendant 6 heures. On a fait temple par temple et puis voilà. Que des trucs comme ça. Ouh. Putain, un petit peu chaud, il doit faire encore 36. Ouais, 36 ça va, il est que 10h du matin. J'ai dû perdre 8 kilos. Marc a mangé du riz. Puis c'est notre dernière journée au Cambodge. Pour ce soir, on est riche, il doit lui rester comme un truc comme même pas 2$ chacun là, pour passer toute la journée, pour ce soir, pour manger, pour boire. Après, les Cambodgiens, ils font « Ah, toi riche, excuse-moi, moi plus pauvre que toi, hein. Moi c'est misère, même pas manger ce soir. » J'ai mangé hier, donc ça va, il y a encore pas beaucoup, j'ai plus bu. Ok. Un keuf. Putain, ça en finit plus. Holding the line very good. What? Holding the line. Okay. You want? No, thanks. C'est débile. Tiens, il y a JB là-bas. JB, tu me passeras un coup de balai là, c'est un peu le bordel, hein.
Hein? Il est hallucinant. Ah oui, non, mais... Ah ben attends, le mec il vient de la déco, pas de même couleur. Et puis j'étais au moins 4 hein, à faire tout ça. Regarde les fondations qu'il y a dessous. Là. Tu as les pieds. Il devait y avoir des systèmes d'eau partout, des aqueducs dans les plafonds. Mais n'importe quoi, tu Toi, tu devais être un pote à Momo, toi. C'est, tu me défends. Ouais, non, c'est débilo. Bon, on va arrêter là. Thank you.